C'est lui, le diable blanc. Major, Major, là, près du feu, la bête. C'est le lobo blanc, il n'y a pas de doute. Fais-le. Il est touché. Si vous n'aviez pas été si pressé de tirer, vous l'auriez tué, Asner. À cheval tous les deux, et rattrapez-le. Sleeve, vous n'avez pas tiré? Vous n'êtes pas d'accord pour qu'on tue cette bête? Il est possible que ce chien ne soit pas aussi méchant que le prétend la légende, Major. Personnellement, je l'ignore, mais je sais qu'il a tué. Comment est-ce qu'on l'appelle le diable blanc des montagnes? Ce n'est pas par hasard qu'on l'a baptisé comme ça. Par ici, Asner! Attention, il me semble que les buissons ont bougé. Hey! Regarde ça! Un loup? Mais non, c'est trop grand! Un petit ours? Penses-tu les traces n'ont pas de griffes? Tu vois des griffes, toi? Je sais pas très bien ce que c'est, mais en tout cas, il est blessé. Regarde, c'est du sang. Tu viens, on va essayer de suivre les traces. Hé, hey, tu sais, un ours blessé, ça peut être méchant. Ce n'est pas un ours. Peut-être, mais c'est une grosse bête. Tout le monde peut s'en rendre compte. En tout cas, moi, je veux savoir ce que c'est. T'as qu'à rester ici, puisque t'as peur. Oh non, j'ai pas peur. C'est peut-être elle? Oh, pense que ça fait comme différence. Tu vois quelque chose? Non. Vas-y, avance, c'est toi qui as le gourdin. Non, c'est toi.
Tu le vois? T'entends? C'est un loup, tu voulais pas me croire. Il gronde comme un chien. C'est un chien. Il est énorme. On ferait mieux d'avertir Clay. Traverser la rivière. Ouais. Les loups connaissent bien ce truc-là. Ils se laissent porter par le courant pendant des kilomètres pour brouiller les pistes. J'en savais des choses. Vous auriez dû le dire plus tôt, on risque d'y passer tout l'après-midi. Bon, ça ne sert à rien de discuter. Nous allons suivre chacun une des berges. Allez de l'autre côté, il faut repérer l'endroit où il est sorti de la rivière. Vous en faites pas, on finira par le trouver. C'est incroyable ce que vous êtes consciencieux. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le major ne vous a pas encore nommé contremaître. Qu'est-ce que c'est encore que cette blague? Il n'y a pas de chien sauvage ici. Il n'y a que des loups. Puisqu'on dit que c'est pas un loup. J'en ai peut-être un, on ne sait pas ce que c'est. Si tu viens avec nous, on te le montrera. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Près de la crique. Il est certainement parti maintenant. Non, il est couvert de sang. Il est certainement blessé. Non, il n'était pas couvert de sang, mais il saigne beaucoup. Cessez de vous disputer et montez dans le chariot. Je vais déposer le bois à la maison et puis ensuite on ira voir ce chien sauvage. Bien. Alors qu'il est, il est sûrement déjà dans la montagne, en train de soigner ses blessures. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vivent dans la partie haute de la vallée? Vous parlez des Monroe? Les Monroe. Peut-être bien qu'ils l'ont vu, notre diable blanc. Je suis à peu près certain qu'il a fui de l'autre côté. Maintenant, on doit être tout à côté de chez eux. Ça ne coûte rien de demander. Si vous voulez. Il est par là. Il est vraiment très gros, tu sais. Je sais pas. Je te l'avais dit que c'était pas un loup. Je voudrais bien savoir comment vous avez fait pour le découvrir. Vous vous rendez pas compte, il aurait pu vous mettre en pièces. Tu sais de quelle race il est, ce chien? Non, pas du tout. Mais à ton avis, d'où il peut venir? Il est tellement gros qu'il pourrait aussi bien être venu de Chine. Sa blessure est grave? En tout cas, il saigne beaucoup. Tu crois qu'on pourra faire quelque chose? Non, on peut même pas l'approcher. Peut-être qu'il finira par s'habituer à nous et à ce moment-là, on verra ce qu'on peut faire. Non, il est sauvage. Et les bêtes sauvages sont encore plus dangereuses quand elles sont blessées. Il va mourir, tu crois? Oui, j'en ai bien peur. Il faut qu'il soit vraiment à bout de force pour s'être arrêté ici. Allez, venez, on rentre à la maison. Attendez-moi un peu plus loin, au bord de l'eau. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Clay, le fait... Qu'est-ce que c'est que ces histoires? On dirait des fillettes. Je ne peux pas supporter de voir une bête qui souffre. Laisse-le tranquille, il va bien s'endormir. Non, il souffre. Mais dans cet état, il est moins dangereux. Moi, je pense qu'il voudrait juste... qu'il voudrait dormir. Faites ce que j'ai dit. Attendez-moi au bord de la rivière.
Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit d'être seul pour mourir, hein? On perd du temps, venez, on rentre à la maison. Allez. Qu'est-ce que c'est, un fait-tout? Un fait-tout, c'est un fait-tout. Jimmy dit qu'il met seulement des choses qui rentrent dans un fait-tout. Moi, je mets des légumes dedans, les légumes, j'ai jamais vu que ça rampait. Oui, mais pour l'instant, c'est un dain qui est dedans. Oui, ça marche et ça court, les dains. Mais les dains, c'est drôlement joli. Pourquoi que les Jim, ils les attrapent pour les mettre dans un fait-tout? Ne t'occupe pas de ça, tu comprendras plus tard, Amy. Les animaux sauvages, c'est fait pour être mangés. Ça y est, j'ai fini comment ça s'appelle. Un fait-tout qui fait tout. Appelle ça comme tu voudras. En tout cas, fais bien attention à ce que ça ne brûle pas. Bonjour, mademoiselle Catherine. Monsieur Jackson. Je vous présente Art Asner, le major vient de l'engager. Monsieur Asner. Enchanté de vous connaître. Nous cherchons un animal blanc, un chien. Enfin, il ressemble à un chien. Il n'y a aucun chien ici. Je sais, il a plongé dans la rivière. Alors on se demandait s'il n'était pas dans les parages. Désolée, je ne suis absolument pas au courant. La rivière passe à travers votre propriété, vous pourriez l'avoir vue. J'ai beaucoup de choses à faire et pas le temps de regarder couler l'eau. Tu l'as peut-être vu, toi. Hé, l'Indien, je t'ai adressé la parole. Jim a travaillé dans la grange toute la matinée. Bonjour, Monroe. Qu'est-ce que vous faites ici, Jackson? Vous le savez, je travaille pour le major. Et votre ami, qui est-ce? Je m'appelle Asner. Monsieur Asner, voici mon frère, Clay. Hein? Monsieur Monroe, nous recherchons une bête, un lobo tout blanc. Asner lui a tiré dessus, mais il s'est sauvé. Vous l'avez vu? Une espèce de loup blanc, non? Est-ce que quelqu'un a parlé de loup blanc? J'ai dit un lobo. On ne sait pas très bien si c'est un loup ou un chien sauvage. Moi, je crois que c'est un chien. Vous lui avez tiré dessus? Il est venu jusqu'au camp du major. Oui, et on a de bonnes raisons de croire que c'est lui qui, à la tête d'une horde de loups, attaque les petits veaux. Depuis quelque temps, le troupeau est décimé. Les Sioux pensent que c'est un démon incarné. J'ai raison, Jim? Enfin, de toute façon, on raconte énormément de choses sur ce chien. Il est même devenu un sujet de légende. Mais qu'est-ce qu'on dit? Ça m'intéresse beaucoup. Voilà ce qu'on m'a raconté à moi. C'est que son maître a été tué par des loups. Le lobo était un petit chiot à cette époque. Ensuite, il aurait été recueilli et élevé par une louve. Et puis il a grandi, il est devenu un grand chien et on croit qu'il a dû attaquer le chef de la horde, le tuer, et qu'après cette victoire, les autres l'ont suivi comme leur nouveau chef. Ce ne sont que des suppositions, Asner. J'en suis certain. Je connais trop les habitudes des chiens sauvages et des hordes. Comme vous avez su le retrouver. Il y a beaucoup de choses que vous devrez encore apprendre, Monsieur Jackson. À propos des loups et à propos des gens. Des gens tels que vous? Oui, tels que moi. Si vous avez envie de vous disputer, vous m'excuserez, mais j'ai des tas de choses à faire. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous de chiens et de loups. Tu viens de Jefferson, j'ai besoin de toi. Monroe, si jamais le lobo vient près de chez vous, il risque d'attaquer votre bétail. Dans ce cas, j'aviserai. Mais pour l'instant, il ne s'est pas montré. J'ai connu des hommes beaucoup plus malins que vous qui n'ont rien pu faire contre lui. Mais vous pouvez toujours essayer. Je suis certain que le major offrira une belle récompense pour la peau de cette bête. Je ne sais pas où vous avez entendu ça, Asner. On fait tout! Oh. Oh. Amy, je t'avais dit de surveiller le fait tout. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais en train de fermer la porte. Mais dis-moi, toi, petit, est-ce que tu n'aurais pas vu ce chien? Non, monsieur. On vous a dit tout ce qu'on savait, monsieur Asner. Je vous conseille de faire très attention, Monroe. Ce chien n'est jamais loin des fermes où il y a à manger. D'habitude, il attend que les bêtes soient endormies pour les tuer. C'est possible qu'il ait juste faim, monsieur Jackson? Oui, il a faim. Il a faim de tuer. Non, c'est pas ça. Je veux dire qu'il a peur des hommes. Ah oui? Qu'est-ce qui te fait dire ça, petit? Bah, c'est qu'eux aussi, ils ont peur. Vous, par exemple. Répète ce que tu as dit. Que vous avez peur? Parce que sinon, vous n'auriez pas tiré dessus. Mais il prend de l'assurance, le petit frère. Si c'était mon fils, je lui aurais appris à respecter les gens. Catherine et moi, nous avons essayé de leur apprendre à se faire une opinion personnelle. Vous avez encore quelque chose à dire? Oui, juste un conseil. Ce chien est dangereux. Si par hasard vous le voyez, n'hésitez pas à l'abattre. Clay, tu peux venir, s'il te plaît?
Mademoiselle Catherine. Monsieur Jackson. Il reste environ 2 heures avant la nuit. On peut encore chercher. J'ai une meilleure idée, monsieur Jackson. Laquelle ? Je crois que le chien est vivant et je crois qu'il sait où il est. Qu'est-ce qui vous le fait croire ? Ah, je disais ça parce qu'ils avaient un drôle d'air. Si vous aviez bien observé le visage des garçons, je suis sûr qu'ils le cachent. C'est comme tout à l'heure, vous êtes reparti dans des histoires. Pourquoi ils ne l'auraient pas dit s'ils le savaient ? Parce que si je peux en juger, ils n'ont aucune intention de vous rendre service ni à vous, ni à moi, ni au major, monsieur Jackson. On a perdu bien assez de temps, à mon avis. Le major ne nous fera pas ses compliments si on rentre les mains vides. Je me suis toujours fié à mon instinct. Et je mettrai ma main au feu que ces Monroe nous cachent autre chose que ce chien sauvage. Mais qu'est-ce que vous imaginez encore ? Les Monroe, c'est sur les terres du Major qu'ils sont installés, hein ? Oui, mais ça concerne le Major et seulement lui. Alors ? C'est un homme très occupé, il n'a pas le temps de voir que cette vallée est riche et qu'elle mérite d'être développée. Moi, j'ai mon idée. Si jamais ça marche, il me remerciera comme je le mérite. Votre zèle et votre loyauté m'impressionnent beaucoup, monsieur Asner. Si vous avez envie de retourner au campement, eh bien, allez-y. Moi, j'ai un petit voyage à faire. Où ça ? Au Fort Stambath. Ah oui. Le Major attend qu'on lui fasse un rapport. Il n'aime pas du tout qu'on prenne des initiatives sans l'informer. Ça se peut, mais quand je serai de retour, je parie qu'il ne le prendra pas si mal que ça. En tout cas, je ne suis pas comme vous. Je ne veux pas rester un gardien de vache. Amy. Je t'assure, Clay, je ne sais pas du tout. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Quoi, moi, j'étais dehors avec toi ? Ça, je le sais bien, c'est pas ce que je te demande. Alors, est-ce que tu réponds à ma question ? Fenimore est parti recouvrir les traces pour que M. Jackson et l'autre homme n'arrivent pas à retrouver le chien. Vous avez trouvé ce chien ? Les jumeaux, oui. Où ? Dans un fourré, pas loin d'ici. Qu'est-ce qu'on a fait encore ? Pourquoi tu es contrarié ? Parce que vous n'avez rien dit à Roy Jackson. Mais c'est nous que ça regarde, c'est quand même sur notre terre, non ? Oui, ce que fait ton frère, alors, c'est peut-être pas toi que ça regarde. Tu sais comment il aime les animaux. Il va s'approcher de cette bête. Ce chien est en train de mourir. Je t'assure qu'il n'y a aucun danger. Bon, on va aller voir si ça peut te rassurer. Jim ! Tu as entendu ce qu'on a dit à propos de ce chien ? Eh bien, nous l'avons trouvé. Tu vas venir avec moi, on ne sait jamais. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, non ? Tu peux être utile ? Chien, esprit mauvais. Il est trop faible pour être méchant, il est en train de mourir. Il est dangereux. Esprit ne mourra pas. C'est ridicule. Jefferson, reviens tout de suite. Jim, je t'en prie. C'était près d'ici. Quelqu'un a recouvert les traces. Bouge pas de là, toi. C'est Fenimore qui est là. Il gronde même plus. Oui, c'est bien ça, il est en train de mourir. Je voudrais qu'il arrête seulement de saigner. Ça changerait pas grand-chose, le chien est condamné. Je t'en prie, Clayton, il faut le soigner. Pourquoi ? Que Asner ou Roy Jackson lui retire dessus à la première occasion. Je ne vois pas pourquoi je m'occuperais de ce chien. Une fois qu'il serait rétabli, on l'amènerait loin d'ici. Monsieur Jackson n'arriverait pas à le retrouver. Oui, on le perdrait en forêt et il serait libre de nouveau. Jim, tu vas aller couper des branches pour faire un brancard, autrement on n'arrivera jamais à le transporter. Non. Mais comment veux-tu que j'extraie la balle ici? S'il reste une chance de le sauver, il faut le ramener à la maison. Je ne peux pas le porter tout seul, il est trop lourd. Moi, pas toucher à ce chien. Lui, mauvais esprit pour Monroe. Mais enfin, tu veux qu'on le laisse crever comme ça, tout seul ? Ne dis rien, Catherine. Tu entends pas un mot.
Il était trop faible pour supporter l'extraction. Je crois pas qu'il tiendra le coup. Et puis ne commencez pas à pleurer, vous deux. Je vous l'avais dit que ça me surprendrait s'il vivait, même en s'occupant de lui. C'est pas comme s'il était à nous. C'est un chien errant. Hein, hors la loi. C'est peut-être aussi bien comme ça. De toute façon, j'ai fait ce que j'ai pu. Personne ne te fait de reproches, Clay. J'ai pas dit qu'on me faisait des reproches. En tout cas, qu'est-ce qu'il est gros? Aide-moi à le porter dehors, James, s'il te plaît. Attends une minute, Clay. Tout n'est peut-être pas perdu. Clay? Je n'en suis pas certaine, mais je crois que son cœur bat déjà plus fort. C'est pas une raison pour espérer. Vous savez que les miracles, ça n'existe pas. En tout cas, il va déjà mieux. C'est possible. Mais même s'il vivait, ça ne prouverait pas qu'il soit gentil avec nous. Jim, toi, qu'est-ce que tu crois? Tu t'y connais, un animal sauvage? L'esprit d'un chien, ça ne meurt jamais. Vous avez vu? Il a ouvert les yeux, Catherine. Si ce qu'on dit est vrai. Je sais, Cathy, je pensais à la même chose. Une fois qu'il aura retrouvé ses forces, il sera peut-être dangereux. Et même s'il est doux comme un agneau, les hommes du Major reviendront pour le tuer. Il n'a pas bougé toute la nuit. Tu crois qu'il va bien? J'entends son cœur qui bat, tu l'entends, toi? Non, pas d'où je suis. Moi, je l'entends. J'entends rien. Il est vivant. On déjeune pour l'instant. C'est ridicule, vous l'empêchez de se reposer. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de lui ficher la paix. Tout le monde est d'accord? Oh. Regardez, regardez! Je ne m'attendais pas à... Alors ça, je dois dire qu'il arrive à se lever, ça me surprend beaucoup. Il doit avoir faim, Clay. Il a relevé la tête quand l'odeur de la viande est venue lui chatouiller le museau. Je lui donne mon petit déjeuner. Moi aussi. Tenez, mettez ça dans mon assiette, je vais Clay. Lui porter. Tu ne penses pas que les enfants ont besoin de nourriture? Sur le feu, il y a tout ce qu'il faut pour le chien. Il n'y a plus du tout de petit salé. Tu sais bien qu'un chien, ça a besoin de viande. Tu as peut-être raison, mais je parie que vous ne mangerez pas tout le petit salé. Quand vous aurez fini, on verra. Oh, Kat! Navré, Jefferson, mais on passe avant le chien. Votre sœur n'a pas tort. Finissez de manger. Après, on verra ce qu'on fait pour le chien. Allez. Bon, eh ben, c'était vraiment très bon, Catherine. Tout à fait délicieux. J'ai plus faim du tout. Décidément, je ne connais pas d'enfant qui soit aussi vilain que vous. Je t'assure, j'ai le ventre plein. Moi aussi. Moi aussi. Ma parole, c'est contagieux, ce manque d'appétit. Oh, très bien. Donnez-lui à manger. Ah! Ah! Ce sera parfait. C'est ça, ta façon de dire merci? Tu penses pas que c'est juste parce qu'il a peur de nous, Clay? Tiens, pousse le plat avec ça. Thank you.
Bonjour, Major. Steve, en chemin, j'ai aperçu quelques bêtes écartées du reste du troupeau. Elles sont près de Willing Lane. J'envoie quelques hommes immédiatement, Major. Merci. Monsieur Jackson, je suppose que Monsieur Asner et vous-même n'avez pas été en mesure de retrouver le lobo blanc. C'est exact, Major. Nous avons suivi ses traces jusqu'à la vallée de l'ours, mais il s'est volatilisé. Nous avons poursuivi jusqu'à la maison des Monroe, mais eux non plus ne l'avaient pas vu. Où est Monsieur Asner ce matin? Il est parti, pour autant que je puisse le savoir. Parti? Oui, il m'a parlé d'un mystérieux voyage à Stambouf. Bizarre. Enfin, si jamais il revient, je lui donnerai sa paye et je lui demanderai de faire ses bagages. Dommage, il semblait connaître bien à fond son métier, mais c'est pas la première fois que je me trompe. Monsieur Jackson, je crois qu'il serait sage de poursuivre les recherches en ce qui concerne ce chien sauvage. Vous emmènerez qui vous voudrez. Il faut faire notre possible pour que ce chien soit anéanti. Entendu, Major. Venez avec moi, Ray. Jackson. On dirait qu'il ne renonce pas à poursuivre le chien. Ils ne viennent pas ici. Oui, pas pour l'instant. On a le choix entre trois noms. On votera à main levée comme toujours chez les Monroe. Ceux qui préfèrent le baptiser Petit Fou lèvent la main droite. Ta main droite en douille. Qui préfère César? Tu sais même pas qui c'était, Jules César. Toi non plus, tu n'en sais rien. Si, moi je le sais. C'était un monsieur qui portait du feuillage sur sa tête et qui faisait la guerre à tout le monde. Si on l'appelait Neige, je suis pour Neige, moi. Moi aussi. C'est voté, il s'appelle Neige. Pas si vite. Il faut savoir si ça lui plaît. Neige? Neige? Vous avez fini ce que je vous avais donné à faire? Non. Alors allez-y. Amy, va jouer dehors. Clay, pourquoi tu les mets à la porte? Ils étaient en train de baptiser le chien. Oh, qu'est-ce que ça a de si terrible? Eh ben maintenant, c'est comme s'il était un membre de la famille. Écoute, Catherine, c'est un chien sauvage. Il faut être très prudent. Il ne grogne pas avec les enfants, ni avec moi. Qu'est-ce que ça prouve? Qu'il craint les hommes, tout simplement. Peut-être bien qu'un homme l'a frappé ou maltraité. Et puis c'est un homme qui lui a tiré dessus. Mais moi, je n'ai pas fait de mal. Tu voudrais qu'il comprenne ça. Oui, d'accord, seulement on est bien obligé de prendre des précautions. Je viens de voir Roy Jackson avec un autre cow-boy du Major. Ils ont décidé de poursuivre les recherches jusqu'au bout. S'ils avaient un soupçon, ils seraient déjà venus ici. Et si ça se trouve, ils recherchaient une vache égarée. C'est possible, mais tôt ou tard, ils découvriront que le chien est ici. On verra à ce moment-là si ça ne t'ennuie pas. C'est moi qui verrai, oui. On dirait que ce chien t'impressionne plus qu'il n'effraie Jim. J'ai de bonnes raisons d'être inquiet, Catherine. De toute façon, il faudra encore que je me batte avec des cow-boys pour sauver le chien ou avec le chien pour sauver ma famille. J'espère que tu seras à la hauteur. C'est fini, les gars? Vous avez retrouvé toutes les bêtes? Oui, oui, ça y est. Ah, Major, je pensais que vous rentreriez plus tôt. J'ai décidé de faire le compte des têtes de bétail qui sont parquées à Marfatan. Oui, cette nuit, il faut que j'adresse une liste précise de toutes les têtes qui doivent partir pour Londres. Vous avez fait votre inventaire? Oui, nous avons terminé il n'y a pas longtemps. Je vous félicite. J'ai une nouvelle à vous apprendre qui peut vous intéresser. Asner est revenu, et il est revenu exactement comme il était parti. Allez le chercher. Vous me l'envoyez dans ma tente. Entendu. Asner, le Major veut vous voir.
Bonjour, Major. Monsieur Asner, vous le savez, quand un homme travaille pour moi, je ne l'autorise jamais à abandonner son emploi, à moins qu'il me prévienne ou que je le lui demande. Je m'excuse infiniment, mais je pense que vous me pardonnerez mon absence une fois que vous aurez lu ce bout de papier. De quoi s'agit-il? C'est un contrat. Il m'a été remis par l'intendance du Fort Stamboth. Un contrat? Oui. Qui nous lira, vous et moi? Il faut réaliser des croisements entre les juments de l'armée et les étalons sauvages du pays des Tétons. Naturellement, l'armée se réserve tout pouvoir pour acquérir les Mustangs. Il ne manque que votre signature. Et alors, nous voilà devenus associés, c'est très intéressant. Associés, comme vous dites. Vous voyez, je suis pas comme ces garçons, moi. Je veux pas rester cow-boy toute mon existence. L'ambition est une chose admirable, cher monsieur Asner. Mais pour quelle raison avez-vous jugé utile de me mettre au courant de vos projets? Je vais vous le dire, Major. Je n'ai pas les moyens de me lancer tout seul dans une telle entreprise. Il est nécessaire de disposer d'une partie de la vallée avec de l'herbe pour que mes poulinières puissent avoir de quoi manger. Je croirais volontiers que vous avez déjà prévu cette place. Ah, bien sûr. C'est au nord, pas très loin, la vallée de l'Ours. La vallée des Monroe. Oui. Vous espérez que je vais les renvoyer? Vous êtes un homme d'affaires, n'est-ce pas? Et c'est parce que vous en êtes un que je vous fais cette proposition magnifique. Oui, c'est vrai, vous êtes un négociateur adroit, monsieur Asner. Le contrat est en règle, il n'y a pas de doute. Et pourtant, ça ne m'intéresse pas. Et pourquoi? Ce qui me gêne, c'est d'agir de cette façon avec les Monroe. Mais ce n'est pas tout. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais traité avec des opportunistes aussi peu scrupuleux que vous. Mais c'est une proposition d'affaires que je vous fais. Il ne s'agit pas d'être amis. Ma réponse est non. Je crois que vous changerez d'avis quand vous découvrirez qui a recueilli le lobo blanc. Oh. C'est Monroe. Il essaie de transformer ce tueur blanc en gentil petit toutou. Il peut vous raconter tout ce qu'il veut, mais en ce qui me concerne, je n'en crois rien, Major. J'irai vérifier en personne si Monroe cache ce chien, monsieur Asner. Mais ce ne sera que pour le chien. Je ne profiterai pas de la situation. Mais je comprends pas quelle raison vous avez de refuser une offre qui peut rapporter énormément. Je désire que vous quittiez immédiatement mon ranch, monsieur Asner. Mais, Major... Au revoir, monsieur Asner. Allez, saute! Allez! Saute! Ouais, allez, saute, saute! Allez, allez! Saute! Il y a quelqu'un qui vient. Faites pas disparaître le chien. Viens, Neige! Viens, Neige! Sleeve. On dirait que ce n'est pas moi que vous attendiez. Qu'est-ce que vous voulez dire? La dernière fois que j'ai vu un regard comme le vôtre, c'était sur le visage d'un homme qu'on devait pendre. Et la corde venait de casser. Je suis envoyé par le major McPoy. On raconte que vous avez recueilli le lobo blanc. Qui a dit ça? Roy Jackson? Oh, je ne suis pas venu pour vous poser des questions. Ce qui se passe chez vous ne regarde personne. En tout cas, aussi longtemps que ça ne cause de dommages ni aux gens ni à leur propriété. Oui, bien sûr. C'est tout? On a de bonnes raisons de penser que ce chien a ravagé quantité de troupeaux. Je sais, on m'a raconté son histoire. Et personne n'a la moindre preuve. Ça serait peut-être passé différemment si on l'avait fait manger au lieu de lui tirer dessus, vous ne croyez pas? Ça ne marchera pas. Et même si vous réussissez à l'apprivoiser, vous trouverez toujours des gens pour prétendre qu'il est sauvage. Ça, c'est vrai. Vous êtes heureux d'habiter dans cette vallée, dans cette maison, avec votre famille? Ça n'a pas de sens de poser des questions pareilles. Je ne l'ai pas posée à la légère. Survivre est la seule chose qui soit importante ici. Et il arrive que pour survivre, un homme doit faire de très gros sacrifices. Et si je peux vous donner un bon conseil, ne vous fâchez pas avec le major. Ce n'est pas facile de vivre ici, mais si vous affrontez le major, ça deviendra intenable. Bon, je ne vois aucun chien sauvage dans cette maison. C'est précisément ce que je vais dire au major. Je vous remercie. Que l'un de vous deux lui passe cette corde autour du cou. Non, pour que tu l'emmènes très loin, après on pourra plus jamais le revoir. J'ai pas le choix, tu sais, Fenimore. Tu veux qu'il se fasse encore tirer dessus? Tu le veux?
Le. Alors, il doit s'en aller. Pour sa sécurité et pour la nôtre. Vous avez entendu ce que Sleeve a dit à Clay? Le chien est en danger s'il ne part pas d'ici. Clay n'est qu'à aller parler au major. Il lui dira que Nage est un chien domestique. Tout le monde refusera de le croire. Ce chien était un tueur. Mais il est gentil maintenant. Je le sais bien, mais eux ne le croient pas et c'est ce qui compte. Écoutez-moi. Vous vous souvenez que Nage était en train de mourir et que vous m'avez supplié pour qu'on le soigne à la maison. C'est vous qui avez dit que dès qu'il sera rétabli, on l'emmènerait loin pour qu'on ne lui fasse pas de mal. Il est rétabli et il doit partir. Alors, mettez-lui cette corde autour du cou. Je vous attends dehors. Vous savez, les jumeaux, c'est quelquefois très difficile de sacrifier pour une personne qu'on aime. Mais vous y arriverez. Le soleil va se lever dans environ 2 heures. Tu crois qu'on a assez fait de chemin? Esprit, ça lui est égal, être près ou loin. Ce n'est qu'un chien. Sauve-toi, fiche le camp. Sauve-toi, je te dis. Tu vas t'en aller, oui? Ah! Tu t'en vas, oui ou non? Allez! Ah! Très bien, c'est toi qui l'auras voulu. Monsieur Asner? Oh non, j'avais l'intention de partir définitivement, mais j'ai trouvé ça, alors je suis revenu. Qu'est-ce que c'est? Voyez-vous-même. C'est l'œuvre du lobo blanc. Il a réussi à effrayer la mère, puis s'est jeté sur le petit veau et il l'a tué. J'ai bien essayé de lui tirer dessus, mais il était hors de portée. Il a pris la direction de la maison des Monroe. Oui, il y a des marques de griffes, on dirait bien le lobo. Sleeve, vous aviez dit que ce chien n'était pas dans la maison des Monroe. J'espère que vos sentiments amicaux n'ont pas aveuglé votre jugement. Non, je ne l'ai pas vu, Major. Vous assurez que vous avez vu le chien se diriger droit vers la propriété des Monroe? C'est une raison insuffisante pour affirmer qu'il s'y trouve. Major, je suis certain que les Monroe cachent ce chien depuis le début. Croyez-moi, les traces s'arrêtent pratiquement devant leur porte. Et quand on leur a posé des questions, ils ont eu un comportement très étrange. Mais c'est pas tout. Le plus important, c'est ça. Imagineriez-vous qu'un animal qui a été blessé, après avoir reçu un coup de fusil, ne trouve rien de mieux à faire que de se précipiter vers une habitation? Je l'ai vu. Concluez vous-même. Parfait. J'irai en personne me rendre compte si oui ou non les Monroe cachent ce chien. Mais vous viendrez avec moi, Monsieur Asner. Parce que si vous mentez, si vous avez des raisons personnelles pour compromettre mes relations avec eux,
Je vous promets que vous le regretterez. Peut-être vaut-il mieux que j'aille avec vous et M. Asner, Major. Vous devez surveiller le troupeau, je me débrouillerai très bien tout seul. Monsieur Asner? Je le connais. Il me dit avoir vu le grand chien blanc attaquer mon troupeau et tuer un veau. Il ajoute que ce chien vous appartient. Il n'y a pas de chien ici, Major. Vous en êtes sûr? Le chien est dans la maison. Je le fais sortir, Major. Vous n'entrerez pas chez moi avant que je vous y invite. Monsieur Monroe, votre refus serait presque une preuve de culpabilité. Le chien n'est pas ici, Major. Vous êtes un menteur, Monsieur Monroe. J'ai dit et je répète qu'il n'y a aucun chien ici. Restez calme, monsieur Asner. Jeune homme, si jamais ce chien est ici, je finirai par le savoir. Réfléchissez bien. Il serait stupide de compromettre la sécurité dont vous jouissez ici. Et même s'il était là, Major, vous n'avez qu'une idée, c'est de le tuer. Pourquoi? Parce qu'il a fait de sérieux ravages dans le troupeau. Je refuse de croire que Neige ait pu tuer un veau depuis qu'il est au monde. C'est le genre d'histoire que les gens inventent quand ils s'ennuient. J'ai vu de mes yeux ce chien tuer un veau. Quand? La nuit dernière. La nuit dernière, j'ai emmené Neige à plusieurs kilomètres des troupeaux du Major, Asner. Posez la question à Jim. Nous avons chevauché toute la nuit, justement, pour l'éloigner le plus possible. Vous voyez, Major? Il est revenu, Clay. C'était plus fort que toi, hein? Il fallait que tu reviennes. Tu l'avais dit, Jim. La distance ne l'a pas empêché de revenir. L'esprit chevauche avec le vent. Voudriez-vous m'expliquer, Monsieur Monroe? Major, on a chevauché toute la nuit. On a laissé ce chien à plus de 20 kilomètres de ma maison. Ça doit être à la frontière de l'État. En aucun cas, ça ne peut être ce chien qui a tué votre bête. C'est la vérité. Oh, vous n'allez pas en croire cette histoire, Major. Je suis certain qu'on peut encore voir les marques laissées par nos chevaux. Vous avez peut-être commis une erreur, Monsieur Asner. Oui, peut-être bien que c'était pas lui. Je veux dire le lobo. C'est vrai qu'il faisait nuit. Oui, c'était un loup gris, probablement. Monsieur Monroe, je vous conseille de dire aux enfants de rentrer. Pourquoi? Il est nécessaire de se débarrasser de ce chien. Mais puisque je vous dis qu'il n'a pas tué votre veau. Peut-être pas la nuit dernière, mais ce chien fait peser un danger sur tout le bétail. Et vous ne faites pas preuve de jugement en refusant de voir la vérité. Écoutez, Major, jugement ou pas jugement, ce chien a parcouru une distance incroyable pour revenir jusqu'à chez nous. Il ne serait pas revenu si c'était une bête sauvage. Vous ne pouvez pas le tuer. Monsieur Asner? Viens. Je crois qu'il est dangereux seulement avec les gens qui lui tirent dessus. Major, il obéit à des enfants. Il n'est sûrement pas aussi méchant que vous le dites. Mademoiselle, est-ce que vous essayez de me persuader qu'il faut le laisser vivre? Offrez-lui une chance, je ne demande rien d'autre. Ce chien est un tueur. Vous l'avez vu, il m'a sauté la gorge. Monsieur Asner, il me semble que vous n'avez plus rien à faire ici. Je vous réglerai la note de frais relative à votre voyage. Monsieur Momo, si jamais ce chien me causait le moindre dommage, je me verrais contraint de le tuer moi-même. J'espère que c'est clair. Et je vous tiendrai pour responsable. Merci, Major. Je n'ai pas la certitude de vous rendre le service que vous semblez imaginer. Au revoir. Avec
Les enfants sont couchés? Oui, ils dorment. Bon. Jim, tu rentreras le bois à ma place, s'il te plaît. Tu crois vraiment qu'il est sauvage? Pourquoi pas, Cathy? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment veux-tu que je t'explique? Il est peut-être sauvage et peut-être qu'il restera. Quand même, la vie de famille peut le faire changer d'avis, non? Oui, seulement Neige a des amis qui l'attendent tout autour de la maison. Il fera peut-être comme Jim, il viendra, il partira. C'est un être libre. Tu viens? Le voilà, Cathy, le diable blanc des montagnes. Madame Tony s'apprend à conduire à sa fille. C'est très très simple. Quand le feu devient vert, tu roules. Quand le feu devient rouge... Un jour, j'ai vu à la télé un hippopotame sauver une antilope attaquée par un crocodile. C'est quelque chose